Et on dit que... Vous, les brigades anti-sardinales, là. Et on dit, ah, tu as passé. Ah, tu as passé, Ngapine. Ah, tu as passé. Ah, tu as passé. La connaissance ne se connaît, ça se connaît même pas. Ah, tu as passé, Ngapine. 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 J'espère qu'on va arriver là que les gens n'ont pas porté la voiture là. Mais le père là a eu peur. Et tu sais que... peur dans le visage d'un homme noir. Merde. Tu veux que je me caille? Tu veux que je me caille? Mais bien sûr. Il a vu comment j'ai bondi sur lui. Il s'est même tremblé comme ça. Là. J'ai bondi sur lui une fois. Et puis là, je ne peux jamais oublier la chose. C'est Annie qui m'a arrêté. Annie dit non, ça dit ne lutte pas. Mais mon téléphone a pas manqué le nom de Bia. C'est chaud, hein. Qui va dire que oui, yes. Annie, t'es dedans, mon ami. Résidence, veste, veste. Oh, Chapesi. Oh, Chapesi. Oh, Chapesi. Oh, Chapesi. Gepine. Gepine, ta 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 ta. Oh, Chapesi. Oh, Chambo, Honjo. Tu es aussi, tu vois tout. Hein? Tu es aussi, tu vois tout. Appelez encore la police. Elle dit qu'on est tout. On vient de sortir du commissariat et on est tout. On est encore à côté de sa maison. C'est compliqué. Hein? On a dit que le foot, c'est une menace dans la forêt. On va finir avec lui. Celui qui court le plus rapide. Celui qui tient bon. Maman, le 600 voit de ça. Il faut qu'on continue à tenir bon. La lutte décentralisée. Hein? Le tout, si ce n'est pas seulement d'aller marcher à l'ambassade. Vous savez, la maison du deuil n'est pas en plein chaussée. Quand ça ne va pas, on revient plutôt à la maison pleurer ensemble. Que monsieur l'ambassadeur tient bon. Parce que maintenant on va courir, on connaît le chemin, comment on fait pour faire le footing. Mais voici, je suis venu garer juste ma voiture pour faire le footing. On m'a arrêté que mon chemin trouve le chemin de l'ambassadeur. Donc je ne sais pas s'il y a une loi qui m'interdit d'aller courir dans le même chemin que l'ambassadeur. C'est la question que j'ai envie de poser. Est-ce que aller courir dans un même chemin, que l'ambassadeur court sur le même chemin, ça vaut la peine de prison. L'ambassadeur du Cameroun court dans un chemin. Et je me retrouve condamné. Mais lui, il est en liberté. J'ai dit aux policiers, j'ai garé mon véhicule, je voulais faire le footing. On dit, monsieur, vous ne pouvez pas quitter Madrid pour venir faire le footing ici. Il dit, comment ça? Est-ce qu'il y a une loi qui m'interdit cela? Il n'y a pas de loi. Vous savez, j'ai pour habitude de vous dire que la lutte serait longue. Mais est-ce que les gens ne comprennent pas le système? La lutte serait très longue. Ouais. Faites attention. Hein. Ils bloquent toutes les publications, ils bloquent. Ils disent que je n'ai pas le droit de publier. Ils ont signalé toutes nos pages. Non, il y a même la place pour traverser ici. Vous avez compris? Voilà. Donc depuis 9h du matin, je suis au commissariat. On vient d'être libérés. Ils nous ont libérés. Donc maintenant... Le Cameroun n'est pas seulement dangereux, c'est même dangereux maintenant de faire du footing. Si vous partez pour faire du footing, vous serez arrêté. Priez à Dieu que votre chemin ne rencontre pas avec un biais. Sinon, vous serez arrêté. Parce que ce n'est pas autorisé de faire du footing. La police est venue fouiller ma voiture. Saccager tout, tu vois, Sandy. Ils ont tout saccagé. Tu vois pas, regarde. Ils ont tout saccagé dans la voiture. Toi. Merde, les gars, là, ils ont fui si elle était. Ils étaient comme travail, mon ami. Tous tes médicaments sont partout. Ils ont fouillé partout. Ils ont tout saccagé. Regarde, Andy, ils ont fait un désordre pas possible dans ta voiture. Ils ont tout saccagé. Merde. Ils cherchaient quoi? Non, en fait, ce que l'ambassadeur a dit que celui-là, il est dangereux. Il est dangereux. Ils ont tout saccagé.
Ils ont tout saccagé. Ah, Chapesti, Ngepin. Ah, Chapesti. Vous voyez comment la lutte est longue, non? Ils ont tout saccagé dans ma voiture. Tout. Déchirer les choses. Pour chercher, je ne sais pas quoi. Chapesti. Merde. Ils ont tout gâté, sans dire. Mais mon ami, tu as même les cartes dans la. Ils ont tout saccagé. Ils ont tout saccagé, tu vois. Ils ont fouillé, tu n'as pas vu qu'ils ont même trouvé même les documents de mes enfants, tout ce truc-là, ils ont tout saccagé dans la voiture. Ils ont fouillé. Ils ont bien travaillé. Toi, même l'argent qu'ils m'ont remis là, ils ne savaient pas où j'avais déposé ça. Ils ont bien travaillé. Mais ils savaient qu'il y avait l'argent dans la voiture. C'est pas grave. Vous savez, chasser Paul Biya, ce n'est pas facile. Pomba, c'est comme le ngangoum. Pomba, c'est comme le ngangoum, donc il faut se préparer pour le chasser. C'est ce qu'on va voir. Oh, Chapesti! Oh, Chapesti, Gepine! Gepine! Oh, Chapesti! On va aller pleurer nos bébés demain. On va aller déposer nos bébés. Oh, Chapesti! On sort pour aller faire le footing tranquillement. On n'a rien fait. Hein? On a dit qu'on va faire le footing. On court, on fait un peu de sport. C'est bon pour la santé. Mais. La police estime qu'on ne doit pas faire le sport avec le représentant de la photo. Que si on court auprès de lui, c'est un délit. C'est ce qu'elle disait. Elle disait que aussi le représentant de la photo en Belgique. Le représentant de la photo. Devant lui, c'est un délit. Le représentant de la photo. Il représente la photo qui dirige au Cameroun. Merde. Okay. Mais le père a lu l'heure, mon ami. Il a lu l'heure sur le sol mouillé, mon ami. C'est sûr que quand il est rentré chez lui, il a seulement dit que Zamba, oui. Zamba Beli Loli. Zamba, comme l'autre pleurait que oh, Chepesi. Lui pleurait que à Simba. Les sorciers l'ont fait comment pour me retrouver dans la brousse? Mais. Parce que tu sors de chez toi tranquillement, tu trouves seulement la maman. Il faisait le sport nyangalement. Hein. Oui. Donc pendant que les mamans pleurent à Kumba, lui fait le sport nyangalement. Après, il rentre boire le vin. Momo avait dit que tant que lui boit son vin de palme, les gens peuvent mourir au noso. Donc lui, il fait son sport. Les mamans sont en train de pleurer à Kumba. Lui, il fait son sport. Mais. Si vous voulez mourir tous. Est-ce qu'il gère ça? Le gars qui ne gère pas ça. Oh, Chapesti! Les drapeaux sont morts. Et même pas le drapeau en berne. Il dit que est-ce que je suis. Il n'a pas mis le drapeau en berne. Il dit que sur le site, on n'a pas vu le jour du deuil. Il dit qu'il reçoit. Il fait le deuil là en catimini maintenant. Comme la photo organisait le deuil national, il y avait 3 personnes au stade. Lui aussi, il a fait sa part de deuil. Aucun Camerounais n'était au courant. Il dit qu'il a fait le deuil. Il a fait ça dans sa chambre avec sa femme. Oh, Chepesi. Mais mon frère, on a lu l'heure sur la porte de la cellule. J'appelle Negro. Il dit oui, tu es en train de lire l'heure. Mais vous étiez calme, lui et toi. Moi je n'ai jamais fait des trucs là. Non, tu n'as jamais été en cellule. Non, jamais. Non, je connais comment ça fonctionne. Moi, tu vois, quand vous vous agitez, eux, ça les fait rire. Non. Moi, je m'agite pas. Quand on me met en cellule, je dors, je commence à m'adormir. Mais la matelle à Lille, elle cognait sur la porte, elle a pougou, 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 pougou. J'ai soif, j'ai soif. Je vais pisser, je vais pisser. Je veux manger. Je veux manger. Je veux la famille, car on a lu l'heure sur la porte de la cellule. Souvent, même dès qu'on y a marche toujours avec les choses dans la voiture. Rien. Dis que depuis je suis malade, non. Moi je. Et cette voiture-ci, ce n'est pas celle que je marche souvent avec. Donc, voilà. Les gars là ont fouillé la voiture. Ils ont saccagé. Fouillé, yes. Bah, vous n'avez pas vu la malade. Ils ont saccagé ça. Yes. Ils ont fouillé ça. Ça c'est pas que nous sommes des théoristes. On n'est pas des théoristes. Nous sommes des. Maman, tu as vu le genre de fouilles qu'on fait aux femmes là-bas, papa? Oui. On vous a aussi fouillé comme ça, mon père. Mon frère. Hey, yeah. Non, on vous dit d'enlever la culotte. Vous savez, il y a un système. Tu sais, même dans toute la lutte qu'on fait là, on doit toujours trouver moyen de conseiller nos frères. Mm-hmm. Parce que beaucoup ne savent pas comment ça fonctionne. Et quand ils se retrouvent devant les faits accomplis, justement, beaucoup de personnes sont un peu étouffées. Moi-même, mais c'était la première fois. Tu as vu, quand j'ai vu comment vous étiez agité dans la chambre, calmez-vous, rien ne va se passer.
Ils savaient qu'ils vont nous libérer. Ici, il n'y a pas de justice politique. Personne ne veut la justice politique. Mm-hmm. Pour un pays qui est déjà mourant, un président qui n'existe plus. Qui veut la justice politique? Même cet ambassadeur, lui, il ne veut pas. On lui dit de porter plainte, il ne va pas porter plainte. Il ne peut pas porter plainte. Il va fuir. Donc alors, quand vous partez combattre avec un adversaire, vous allez le reconnaître déjà. J'ai dit si porte plainte moi-même, je porte plainte. Nous, on porte plainte. Chacun porte plainte à l'autre. Voilà la famille. Je voulais juste dire que. Parce que je sais que si on ne fait pas comme ça, il y a les Sardiniens qui vont dire ah, ils sont en prison. On les a arrêtés. On va les renvoyer au Cameroun. Donc je fais ça pour leur dire que. Hein, I'm here, je suis libre. Donc, je rentre prendre un peu quelque chose le de chaud. Le flipangras. Comme la maman l'a dit là. Je vais prendre du flipangras. On va voir le flipangras. Et demain, on sera encore toujours dehors. Hein? Chasser Pomba n'est pas facile. Hein? Vous savez, il a fait 40 ans de dictature. On est qu'à 2 ans de lutte. Il y a beaucoup qui sont déjà fatigués. Ne soyez pas fatigués. C'est pas facile. Donc, tenez bon. Le bout du tunnel est presque prêt. Ce n'est pas pour son bout de tunnel qu'il nous avait dit qu'on voit. Le flipangras. C'est quoi ça, le flipangras là? Elle dit ça, elle est contente. Hein. Ouais, la mère là, Mamadou. Elle a fini avec les chauves-souris. Maintenant c'est le flipangras. Nous sommes un reste gardé par Dieu pour ce temps. Nous sommes une nouvelle génération qui tient comme la promesse du jour après la nuit. Nous sommes le rêve qu'ont rêvé nos pères. Nous sommes une génération debout et en marche. Enseignée par les visions de gloire et de grandeur. Nous sommes les bâtisseurs. Je pense que c'est bon. Je voulais vous dire que je suis en liberté. Quand on est sortis, nous tous avec les sandis. Tout le monde est libre. Voilà. Vous savez, il n'y a aucun combattant. Tu sais, je n'ai même pas mis le GPS. On ne parle même pas où là, Sandy. C'est ça, fais attention. Tu fais le live en même temps. Non. Je viens de voir ici Bruxelles. Ça va. C'est vert, hein. Oui. Bruxelles. S'il te plaît, on prend l'autoroute. Tu laisses d'abord le live, de toute façon on va prendre le truc là. Ouais. Voilà la famille. Vous prenez soin de vous. Rendez-vous comme d'habitude. Hein? Rendez-vous le week-end.